dans cette séquence, nous allons étudier une quatrième mouture de l'exemple lecteur et écrivain. L'objectif de la variante ici, c'est de supprimer des attentes semi-actives. En particulier, on va s'intéresser à celle des écrivains. Les écrivains, ils vont tenter d'écrire dans le tableau noir et ils vont se prendre une exception si le tableau noir est plein. L'idée est de dire que l'écriture devient bloquante et que lorsque la lecture va libérer un espace, eh bien à ce moment-là, elles sont réveillées. Donc ça veut dire qu'on va laisser la lecture semi-active, mais on va du coup supprimer une des exceptions et on va regarder dans cette version comment on peut jouer sur l'utilisation des verrous uniquement, c'est-à-dire sans conditions, puis on aura encore une version derrière où on jouera avec les conditions. Donc ici, je vais revoir le tableau noir et en particulier écrire un message dont vous observez ici qu'il ne lève plus d'exception. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir toujours ma boucle. Donc il va falloir que je réitère plusieurs fois et on va comprendre pourquoi. C'est pas pour les mêmes raisons, hein, puisque ça se passe. En fait, cette boucle, elle était avant à l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle était au niveau d'un écrivain. Maintenant, elle est dans l'écriture d'un message. Donc je vais tenter, dans un premier temps, de trouver un espace dans mon tableau. Donc si je ne trouve pas d'espace dans ma structure, eh bien je vais faire un wait, et en fait ce que je fais, c'est que je relâche le verrou sur le right lock, puisque je vais faire un wait juste derrière. Alors en fait c'est pas gênant, parce que ici je fais le wait et synchronisé. En fait ça va permettre, si je relâche pas le verrou en écriture, vous sentez bien que personne ne va pouvoir lire, et par conséquent libérer mes cases. Donc c'est extrêmement important que je fasse ça. Je lâche ce verrou, je me mets en attente sur le right lock, et à ce moment-là, une fois que je suis sorti de cette attente, je récupère le verrou en right, pour être sûr d'être le seul là-dedans. Donc c'est le pendant de ce que j'ai fait ici. D'accord ? Et bien évidemment, s'il se passe le moindre truc, vous voyez bien, j'ai un unlock au niveau également du finally. Donc voilà. Et la différence ici, c'est qu'effectivement, ça, c'est une attente qui est complètement passive. Et on va voir, bien évidemment, il va falloir réellement changer la lecture d'un message. Donc, la lecture d'un message, ici, eh bien, je récupère le message. Si je n'ai rien, d'accord, je vais sortir ici, je lève l'exception, etc. Et il ne se passe rien, je ne réveille personne. Par contre, si j'ai trouvé un message pour celui qui me demande la lecture, je mets la case à moins 1, et à ce moment-là, je fais un Notify All. Le Notify All va réveiller tous les écrivains qui sont bloqués sur l'écriture. Mais ils vont être réveillés, il y en a un qui va prendre le verrou, et puis ils vont en fait rentrer dans ma grande boucle, et le premier, il va trouver une case, et les suivants, ils ne vont pas trouver de case. Et donc, ils vont se réendormir. Donc, on est sur le mécanisme classique qu'on a déjà vu un certain nombre de fois dans des séquences passées. D'accord ? Donc, voilà, ça marche très bien, ce truc-là, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème. Le reste du code ne change pas par rapport à la version précédente. La seule chose, c'est qu'évidemment, si j'ai enlevé la déclaration de trop-plein exceptions, puisque j'en ai pas besoin, je ne communique plus par exception avec l'écrivain, je suis en attente passive. Regardons une exécution détaillée. Donc là, ici, j'ai été un peu plus loin. Donc, je considère que dans mon chronogramme, toute la partie création des différents écrivains, là, il y en a 3, et du lecteur, ont lieu. Et puis, qu'ils ont commencé à s'exécuter. Et en particulier, toute la partie affichage, je suis initialisé et tirage d'une valeur, a eu lieu. Et ici, E1 fait un appel à écrire un message. Et puis, mon tableau, il a une case. Donc, il écrit un message, il a pu écrire ce message, et maintenant il envoie sa deuxième valeur. Et il s'exécute, et il refait un appel à écrire un message. Mais là, par contre, ça passe plus, parce que le tableau est plein. Et il se suspend. Et puis, le deuxième écrivain se réveille, il envoie un appel à écrire un message, mais il ne peut pas non plus. Et il se suspend. Avant, il se prenait une exception dans la figure. Là, il se suspend. Rebelote,
ou rebelote avec le troisième, qui, lui, se trouve à nouveau bloqué, et donc ils sont tous les trois bloqués sur le weight du right lock, parce que mon tableau noir est saturé. À ce moment-là, le lecteur se réveille enfin, et le lecteur, il exécute lire un message, et dans le lire un message, il va faire un petit fail puisqu'il a libéré une case. Tout va bien. Donc je vais avoir, donc il dit qu'il a reçu la première des valeurs, tout va bien. Il se suspend, il est computé. Et à ce moment-là, eh bien, il y en a un, on va dire que c'est le plus ancien, c'est celui-là, qui va pouvoir sortir d'écrire un message, donc il va sortir de la boucle, il va trouver la case qui vient d'être libérée ici par le lecteur, il la reprend, il écrit sa valeur, et puis il est commuté. Et puis à ce moment-là, on reprend le deuxième écrivain, hein, parce qu'en fait ça, c'est probablement le pendant de cette exécution-là, pour le compte du deuxième écrivain, mais que se passe-t-il? Eh bien, il reprend le verrou, à ce moment-là, il recherche une case, il n'y a pas de case, hop, il est resuspendu, pas de souci. Et puis, le troisième se trouve dans la même situation, d'accord, il se réexécute, il retourne dans la boucle while, il cherche une case, il n'en trouve pas, et il se resuspend. Et puis à ce moment-là, lui, il affiche que, il va envoyer son troisième message, et puis il commute, etc., etc. Donc vous voyez bien comment ici cette mécanique fonctionne, et bien évidemment là j'ai plus de communication par message, mais j'ai des commutations, et vous voyez que ici, par exemple pour lui, l'exécution va être en fait quelque part en pointillé, et ça peut se répéter un certain nombre de fois. C'est là qu'il est important d'avoir déclaré son réentrant en read write lock dans le fameux mode faire. Okay. Pour assurer une certaine équité et faire en sorte que les processus, enfin les threads, pardon, qui sont suspendus depuis le plus longtemps soient reprises en priorité. Sinon, on a des famines potentiellement. Ben voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt.